Bien, salut tout le monde, c'est Xviscal, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour le DLC Résurrection de Star Wars Battlefront 2. Ah merde! Ah putain! Je m'y attendais pas celle-là perso. Bon, on va attendre qu'on puisse le réparer. Alors, là, allez, mange. Y'a pas de méchant. Ouais, si blanc en vue, vous êtes mort. Je me balade sur mon vélociraptor. Je me balade sur mon vélociraptor. Sécuriser objectif. Oh non. Faut encore se faire chier avec des objectifs à sécuriser. Ah, y'a quelqu'un là-bas? Trop fort. Boum, 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 boum. Carapace, le module est pris entre deux feux. Qu'est-ce qu'on fait? On est toi, hein. Jusqu'au dernier. Ah, je touche rien, merde. Et alors, on est mort? Pas facile de manier cette merde, mine de rien. Alors, on est venu suicider. Jusqu'au dernier. Soldats lourdement armés. Tout ça. Gros bordel. J'ai touché quelqu'un au moins. Bon. Je vais me déplacer. Tu veux bien montrer ta tête? Merci. Ah. Moi, monsieur. Je suis pas sûr que la détection de mouvement soit réellement utile en vrai. Et voilà. Allez, ma fille, t'es dedans ou pas? Il est vide. Je suis désolé. Ah, ne vous en faites pas. Elle est forcément quelque part. Il faut juste trouver où. Fais marcher! Partez de bord! Il y a un troisième signal. Ça doit être safe. Elle est vivante, Shreve. Et elle est toute seule. Suivez ce signal. Allez, à peine on arrive. Wouah, eh ben dis donc, le E il sert à rien. Hein. Tu te dis ouais, ça va tirer plus fort, mais en fait non, ça fait les mêmes dégâts quoi. Moche. Attends, hein. Bouge pas, bougez pas, merci. Hein? Oh, salut. Ah bah si je tape un sprint, je vais me retrouver entre deux feux et on va me tuer, donc on va peut-être faire un peu gaffe. Hein. Allez vas-y. Ouais. Beau gosse. Ok, comment j'ai fait pour le louper lui? Vous m'expliquez? Bonjour. Je viens pour éliminer je sais pas quoi. Oh bordel, qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, soldat lourd. Ah ah ah
Bon, ouais, vas-y, on avance. Oh, bordel. Attention, ennemi lourdement armé. Bah, je m'en fous, je cours. Salut. Vous allez bien? Vous y réfléchirez quand on aura trouvé Z. Elle n'est pas loin. On y est presque. Alors... qui veut tâter de mon roboto? Et toi? 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 C'est qui le next? Un module de sauvetage. C'est elle? Non. La balise n'est pas loin. Elle a dû l'arracher et courir se mettre à l'abri. T'es sûr de ça? J'adore les barils explosifs qui servent à rien dans ce jeu. C'est magique. À mon avis, le radius, quand ça pète, faut vraiment être naze, quoi. Je dirais que Jin attaque à une des terrains. On sait pas qu'ils avaient une chance. Ils n'en ont aucune. Si le premier ordre bat en retraite, c'est parce qu'il prépare quelque chose. Jinata va se faire écraser. C'est bon à savoir. Eh vas-y, tiens-moi dessus, hein, je te dirai rien. Bonjour. Oh oh, ça pète de partout. Michael Bay a forcément signé pour cet épisode. Elle s'est dénichée une position de tir. Allez. On peut l'atteindre. Et il y a un tas d'équipements dans le coin pour l'aider. Aider votre fille. Oh, une navette. Encore des stormtroopers. Oh bordel. Allez, meurs, bitch. Mais non, vas-y, il manque 2 points de vie pour le tuer là. Voilà. Chérie! Tu pourrais te rendre utile parce que je suis en train de faire tout le taf là, hein. Le bordel. On n'est pas encore sorti d'affaire. Continue à tirer. Bon. Zay, est-ce que ça va? Non. Ma puce. Ton père est mort. Quoi? On s'est trompé pour Gleb. C'est Ask qui a tué ton père. Ask est en vie? Oui, mais plus pour longtemps. On va monter à bord de Destroyer et le tuer pour de bon. Idem. Tu veux pourchasser Ask? Dépêchez-vous, il va s'enfuir! Non, maman, ça suffit. Tuer un homme ne changera pas le sort de papa. Si j'avais accepté de me battre, si j'avais rejoint la Résistance, tout ça ne serait pas arrivé. Non, vous avez entendu Ask. Le Premier Ordre prépare son coup depuis bien trop longtemps. Rien de tout ça n'est ta faute. Et il n'est pas encore trop tard pour agir. La Résistance a besoin de toute l'aide disponible. Si nous pouvions découvrir la vraie puissance du Premier Ordre... Alors la Résistance aurait une chance. Ok. Ok. Mais il faut encore qu'on accède là-haut. Hey, Shriv. T'aurais pas une mauvaise idée? Bienvenue dans la Résistance. Ah.
et ils cherchent une entrée. Leur profil bas et ne pas tirer. Ok. Dio, connecte-toi à l'ordinateur du TIE. Scanne le destroyer stellaire et trouve-nous un point d'entrée. Quel est le statut de ce hangar? Ça grouille de soldats. Ils vont nous abattre dès qu'on aura posé un pied à bord. Continue à chercher. Le premier ordre est peut-être la plus grande menace que nous ayons affrontée. S'ils ont déjà détruit la République, la Résistance sera leur prochaine cible. Qu'est-ce qu'on peut faire? On aborde le destroyer stellaire base. On vole ce qui peut intéresser la Résistance et on part. Ouais, facile. Zone d'atterrissage potentielle en vue. Impossible! C'est pas assez grand pour nous! Delta 6, le commandant Ask a ordonné à votre unité de rester sur Mardos. Répondez! C'est nous, Delta 6? Qu'est-ce qu'on répond? On va pas tarder à se faire démasquer. Alors on attaque! On prend vite la tête de l'effection. Alerte! Les TIE rebelles se dirigent vers le Retribution. Abattez-les! Ouais! À mort! Oh, Joe, trouve-nous un point d'accès. Sois créatif s'il le faut. Chef, ouais, Dio. Ça va prendre du temps. Oh, bon. Donc on doit se charger des chasseurs TIE. Je connais le refrain. Ouais! Passe ton! Prends-toi mon missile! Toujours rien. Allez, Dio, j'ai confiance en toi. Encore que dans les films, ils régènent pas leur vie, hein, les vaisseaux. Prenez moteur. Dirigez-vous vers l'arrière du vaisseau. L'arrière du vaisseau, je suis pas d'accord. Moi, je veux te tuer d'abord. Sous l'arrière du vaisseau. Il y a un dissipateur de chaleur à côté du moteur. On va le détruire et créer un passage. Ouais, j'avoue, là. Ça va être chaud. C'est quoi, ce truc? Hyperdrive. Pourquoi hyperdrive? Vous êtes en train de me dire qu'on est dans l'hyperdrive, là? Ils vont passer en hyperespace. On n'est pas mort, hein? Ouais. Allez. Il doit y avoir un terminal informatique dans le coin. On devrait se séparer et se regrouper quand on aura quelque chose. Très bien, je pars de mon côté. Il faut qu'on accède au registre du vaisseau. Plateforme de données, centre de communication, tout ce qu'on trouve en premier. Point où on en est, tout ce qui pourrait aider la Résistance. Attaquez-les par le flanc! Vous allez me dire qu'en fait, c'est eux qui ont donné les plans pour l'espèce d'étoile noire qu'il y avait dans Star Wars 7. Une armure. On peut utiliser les armes du premier ordre. Ah, bien sûr, je vais oui, garder. Chef. Désolé. Oh. Wow. Quelque chose de costaud, c'est ce qu'il nous faut. Oh, oh. Oh oui! Pas besoin de se mettre à couvert avec ça, chérie. Ah,
Bactam fait du bien. Et voilà. Merci beaucoup. Problème réglé en 2-2. Vous voulez goûter à ça? Ok, baby! Oh, elle est géniale cette arme! Je me demande ce qu'elle a dedans. Dommage qu'elle dure pas assez longtemps. Shriv, je crois qu'on a trouvé. J'arrive. Tout! J'ai fini? Regardez-moi tout ça. Du nouveau? Par ici. Projet résurrection. Quoi? Une minute. Chinata, système Automoc. Le premier ordre enlève des enfants et les force à devenir des Stormtroopers. Leurs effectifs doivent dépasser. Je peux même pas imaginer. Essaye de trouver un manifeste. Ce sont... des vaisseaux amiraux. Assez pour reprendre le contrôle de toute la galaxie. Arrête. Qu'est-ce que c'est? C'est un cuirassé du premier ordre. Ça n'annonce rien de bon. En effet. La générale Organa m'a raconté quelques histoires. C'était surtout des rumeurs, mais... ça faisait froid dans le dos. Faut trouver un point faible. Duo, c'est à toi. Télécharge tous les plans de ce vaisseau. Il faut les transmettre à Leia et à la Résistance. Tant que ce vaisseau sera dans l'hyperespace, on ne pourra pas aller bien loin. J'ai un plan pour ça. Trouvez un vaisseau, et rapide de préférence. Quand le moment sera venu, vous saurez qu'il faut partir. Je déteste déjà cette idée. Bonne chance à toutes les deux. Et donc... c'est quoi ton plan? On va arracher ce destroyer stellaire de l'hyperespace. Je commence à comprendre pourquoi Shriv est si nerveux quand t'es avec lui. Ah bah ouais, la maman elle est folle, hein. La maman elle est folle, hein. Mêlez la porte! Sécurise la pièce. Oh, lourdement armé, c'est surfait. Ok, prenons un maximum de détonateurs. Un maximum de détonateurs. Prends-en le plus possible. Pas besoin de me le dire deux fois. Bon. Oh là là, mais donnez-moi un petit peu de résistance, là. Pirate-le. Allez, c'est le moment. On va tout faire péter. Ah, ils nous attendent. À toi de jouer. Descends-les. Ta petite tronche. Tout. Oh mon dieu, il y avait le traître. Tu pourrais me soigner. Ah, voilà qui est mieux. R.A.S. Idem, j'ai entendu des officiers discuter. La Résistance a trouvé la base du premier ordre. Elle passe à l'attaque. Bonne nouvelle, Shriv. On a bientôt terminé. Tenez-vous prêts. À tout de suite. Zay, si on installe des détonateurs sur ce générateur, le vaisseau passera de vitesse lumière à arrêt complet en une seconde. Ça m'a l'air dangereux. Qu'est-ce qu'on attend? Plaçons ces détonateurs sur ce générateur. Je m'en charge. Toi, tu... Quoi? Renfort ennemi en route. Les instruments ont été repérés dans la baie de l'Hyperdrive.
Ah putain, faut en mettre 4. Pas chiant, hein. Merde, j'ai fait. Hey, au rapport. J'y suis pas. Tourelle déployée. Attention, il y en a d'autres. Ouf. Putain, vas-y, arrêtez là! Vous êtes trop nombreux! Ah, je suis où? Oh merde, je vais mourir. Donne-moi des soins. Stormtrooper anti-émeute à l'approche. Encore des Stormtroopers. Et ça te fait rire. Tire dessus. Say, tu t'en sors? Oh mon dieu. Allez, étourdis-les. Le dernier. Bon. C'est tout bon. Pété, bordel. Shrif, vous avez trouvé de quoi sortir d'ici? Ouais, mais je vous préviens, il n'y aura pas beaucoup de place. Tant que ça vole, ça me va. A tout de suite. Il ne reste plus que le générateur de secours. Il est sûrement protégé par une porte sécurisée. Je vais la pirater. Ouais, mais où? Arrêtez de me tirer dessus! Ah, de toute façon... J'ai besoin d'un petit remontant! Ouais, j'ai besoin d'une petite dose d'alcool! Vas-y, oh, prends ton temps, c'est pas comme si je devais... Putain, mais j'ai beau faire appuyer sur F2 pour faire exploser la tourelle, ça marche pas, quoi. Envoleur du jus. Ouais, coup de main, t'as pas de refus, là. Oh, enfin, la tourelle est morte, quoi. Il est détend, bordel, hein. Un peu de bactère me ferait du bien. Ah, ça fait du bien. C'est pour que la tourelle fait du 360 degrés. Seconde. C'est une blague. Ah, quel con, c'est deux. Mais j'y peux rien si la tourelle elle marche pas, bordel. Elle tire sur personne, elle en a rien à foutre. C'est quoi cette tourelle de merde? Putain, il y a un ennemi droit devant, elle en a rien à branler, quoi. Arrête de la faire.
Non ! Pas un détonateur ! Ah, voilà qui est mieux. Putain, mais... le truc qui sert à rien, quoi ! La pièce est sécurisée, mais pas pour longtemps. Il faut qu'on réussisse. Pour tous ceux que le premier ordre a souffert. Les enfants disparus, leur famille, pour papa. Allez. Dio, pirate cet ordinateur et envoie les renforts ailleurs. Allez, t'es moche, tu sais ça. On pose les dernières charges et on file vers la base de la résistance. Allez, on y va. Sortez de la baie de l'Hyperdrive. Cherchez ailleurs. Eh mais merde. Ça, un truc détecté, je suis pas détecté, voyons. C'est bon. Tu veux bien nous faire l'honneur de placer la dernière charge? Avec plaisir. Ensuite, on retrouve Shrive et on fiche le camp. Intrus perdu. Bouillez la pelle à commande. Non! Voilà l'Eden que je connais. Intrépide, imprévisible. Sers-toi de ton arme. Allez, sers-toi de ton arme. Zay! Ça va aller. Devenir mère t'a rendu faible. Il est temps d'arrêter ce vaisseau. Besoin d'aide. Non, non, s'il te plaît. C'est trop tard. C'est trop tard. Écoute, tu dois amener Dio à la résistance. Tu as compris? Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça va bien se passer. Non, c'est faux. Maman, j'ai besoin de toi. Comment tu fais pour être aussi calme? J'ai peur. Échouer plus que de mourir. Mais je vois l'espoir en toi. Écoute. Écoute.
corps se bat pour que les autres puissent vivre. Et si on meurt, ça doit être pour la même raison. Tu comprends? Je t'aime, Zé. Je t'aime, maman. J'aimerais que tu vois ce que je vois. Maman? Maman. Il n'y a que moi, Shriv. Elle est partie. Oh. Ça va aller. C'était pas vain. Avec elle, rien n'était vain. Contacte la Résistance. Dis-leur que ça ne fait que commencer. Le Premier Ordre continue sa marche. Mais nous avons l'espoir. C'est grâce à notre espoir que nous pourrons vaincre. Secteur dégagé, base de la Résistance. Toujours aucun signe du Premier Ordre. Attendez. Négatif, ici Shriv Surgav, code d'admission 7-3 tôt. Nous sommes des alliés, demandant la permission d'atterrir, s'il vous plaît, ne tirez pas. Permission refusée. J'ai dit s'il vous plaît. Attendez les instructions. Ça va aller, il faut juste qu'on leur explique ce qui se passe. Général Organa. Shriv, j'ai reçu votre message. Alors tu dois être Zei. Je suis navrée de ce qui est arrivé à ta mère. C'était une femme des plus compliquées, mais la galaxie entière lui est redevable. Merci, madame. C'est vraiment très aimable. On a un petit cadeau pour vous, général. Les plans complets du cuirassé du Premier Ordre. Je vous les transmets immédiatement. Je vais les envoyer au commandant Damron pour analyse sur le champ. Je suis prête à rejoindre le combat, général. Je n'en doute pas, mais la Résistance est en train d'évacuer. Le Premier Ordre est déjà à nos trousses. Plutôt que les affronter, j'ai une mission urgente pour vous deux. Les alliés se trouvent dans la bordure extérieure, il faut absolument qu'une équipe les trouve. Je sais que vous êtes fatigués, que vous avez déjà combattu et que vous avez tellement perdu. Mais il faut que vous continuiez. Vous pouvez le faire. Comptez sur nous, Général. Bonne chance, Escouade Inferno. Conclusion pour Eden, mais bon. Enfin, en même temps, ça lui pendait au nez, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, bah, du coup, je me suis trompé, c'était pas au moment. Enfin, si. Bah, je pensais que les plans, c'était justement pour l'espèce d'étoile de la mort, ou l'étoile noire, là, mais je sais plus quoi, là, comment elle s'appelait, qui avait détruit toute la République en un tir de canon. Mais au final, c'était pas ça. Je me suis trompé. Et par contre, on la voit justement exploser à la fin de ce DLC. Bon! Ben voilà, un DLC qui a duré une heure, encore que c'est gratuit, j'ai envie de dire. Hein. Si nous avait fait payer ça 15 balles, je pense que la communauté aura encore plus râlé. Là. Enfin, franchement, ce qui m'énerve un peu dans l'histoire, c'est que cette histoire est supposée être canon. Donc,
c'est une histoire officielle en soi, mais elle sert tellement à rien. Elle sert tellement à rien. Je sais pas. Maintenant c'est bon, il y a du gameplay, tout ça, ouais, c'est sympathique, ça fait passer le temps, mais putain, mais... Ah, je sais... J'adore Star Wars, hein, mais j'arrive pas à me dire dans ma tête que ce machin-là est canon, quoi. Après, t'as Electronic Arts qui vient dire « Oui, mais on veut respecter les films, on veut que nos histoires soient canon, gna gna gna. » Mais bordel, Starkiller était plus canon que ça, franchement. Je suis désolé, mais... À part dire, alors ouais, en fait, il y a machin là-bas qui a récupéré des infos là-bas, donc du coup, ça va aider la résistance, et voilà. Ouais. En gros, c'est ça le canon d'Electronic Arts pour Star Wars, parce que c'est pas terrible, là, pour l'instant. C'est juste sympathique, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est un truc de ouf. Franchement, ça fait passer un bon moment, mais... Enfin, un bon moment, une heure, quoi. Ah, je sais pas, hein, mais par exemple, si je devais choisir entre ce DLC-là et les DLC de Resident Evil 7, mais je préfère encore acheter les DLC de Resident Evil 7 que Star Wars Battlefront 2, quoi. Non, je sais pas, c'était prévisible, hein, que Eden allait mourir, que sa fille allait prendre le flambeau et tout. C'était prévisible à 20 km, quoi. C'est dommage, parce que ce DLC ne surprend pas, en fait. Surprend pas réellement. Je dirais pas que c'est de l'ennui, mais on s'en rapproche, quoi. Personnellement, s'il y avait eu une intervention de Kylo Ren, ce genre de choses, j'aurais pu comprendre que ça devienne... Là, ça remonte le niveau, vous voyez. Mais là, voilà, quoi. On fait que shooter du Stormtrooper et péter des vaisseaux. Waouh. C'est fantastique si on veut en apprendre plus sur Star Wars, hein. Enfin voilà, c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même, hein, mais pour moi, ce DLC est une énorme déception, franchement. Mais bon, il a l'avantage d'être gratuit, donc on va pas cracher dessus de trop quand même. Hein. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude, comme d'habitude, je trouve au cul. Donc c'est la chanson, que c'est l'Eric, que c'est le dicton, je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti, et que l'amour du viewer soit avec vous. Peace!